Bonjour, c'est Ronoc. Je crois que j'aurais dû arroser mes plantes. En fait, mes fleurs jaunes, là, elles ont littéralement cramé. Je suis aux patates. Là, c'est hallucinant. Ouais, je pensais pas que ça cramait, je les avais jamais vu cramer. Peut-être une mise à jour, je sais pas, mais là, effectivement, et d'après le lexicon, effectivement, elles ont comment dire, un délai d'utilisation. What, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il y a une mise à jour de Botania en plus, c'est cool. Donc, on va essayer de se faire une hydro-Angea, vu que bah, je suis chaud short. J'espère que. Alors, j'ai fait les cyans. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris les pétales? Pétales de cyan. Oui, j'ai une pétale comme ça, une pétale comme ça. J'espère que je vais avoir assez de mana juste pour faire au moins les deux pétales. Serait dommage, ce serait ballot de devoir refaire. Yes, juste de quoi. Ok, donc là il va me falloir ça, il va me falloir bleu, rose, deux cyan. Ok, donc on a dit deux cyan, on a dit une bleue, une rose, et on a dit que ce serait bien. Ce serait bien, et on a dit qu'il nous faudrait surtout une graine. Ok, déjà plus de place dans l'inventaire, c'est génial. Ok, pour le moment on va mettre ça là. J'ai plus de sous. Oh, j'ai plus de sous. Ah si, j'ai des sous. J'ai des sous, mais sauf que j'ai plus de place. On va poser le bouquin là. On va poser le bouquin. Non, ça c'est bon. Hop, on va prendre un seau d'eau. Voilà, hop. Allez, prends la pétale. Prends la pétale. Pim, pim. Une pétale ici, pétale là. Hop, hop. Qu'est-ce que tout? Qu'est-ce que tout? Okay. Hop là, qu'est hydro. Ok, alors je suis en train de réfléchir de savoir si je me ferais pas un aquarium en fait. Déjà la question que je me pose c'est de savoir si on va voir, il faut que j'aille chercher du verre. J'aimerais bien faire un genre de mur, genre une cloison, mais qui soit un mur d'eau en fait, et dans lequel ben, je mettrais des poissons, hein, des poissons bleus comme ça. pour histoire de ouais histoire de voir j'ai avancé aussi au niveau de la construction. Alors je sais pas par de quel côté, mais j'ai bien avancé vu que entre deux vidéos il y a un certain laps de temps qui se passe où effectivement je fais des choses et forcément bah, il y a des fois j'oublie un peu ce que je fais entre les deux vidéos. Donc à vous d'avoir l'œil. non, ce que j'ai regardé aussi c'est qu'on va regarder ça aujourd'hui aussi. Vu que, à mon humble avis, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie avec Botania, vu que ça va devoir faire de la mana. On va se repencher sur le système de Carry, là. Parce que. Vous allez comprendre pourquoi. 1, 2, 3. Si je mets comme ça, 1, 2, 3. Là, bien sûr, il va y avoir un bloc. Admettons qu'on lui mette un bloc comme ça. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Si je mets ma fleur en plein milieu ici et que je lui mette de l'eau. J'en étais sûr. Ça, c'est moche. Ça, c'est super moche. Ouais, ça l'a fait des pop. Elle a mangé le bloc d'eau, mais ça l'a fait des pop. Ça, c'est pas super super. Donc du coup, pour le moment, ce qu'on va faire en attendant. J'aime pas quand un plan se déroule avec un accroc. ce qu'on va faire, c'est qu'on va la planter là. Voilà. Ça va pas être super opti, mais pour le moment, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, on va tout déplacer le truc. On va tout déplacer le truc en attendant. Ah, c'est. Il va falloir que je fasse des fleurs flottantes. Pourquoi je casse tout alors qu'il fallait qu'en casser qu'un? À la limite, je fais comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça, je vais pouvoir en mettre 4. Voilà, on va récupérer le bloc de dirt. C'est cher la dirt. Hop, hop, on va mettre de la dirt ici. Est-ce que j'ai du sable? J'ai du sable. On va mettre du sable ici. Voilà. Et il n'y a plus de sable. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, ça fera pas propre. De toute façon, le sol, il faudra que je vois comment je le fais. Ensuite, ben, il va rester à remplir d'eau ici. Ouais, si tu veux, tu le mets dans le coin. Merci. Hop, ah, puis au moins ça nous fera une source d'eau infinie. Je pourrais boucher celle-là, ça pourrait être pas mal. Hop. Ok. Donc maintenant, ah bah du sable, je vais en avoir là. Hop. Je vais en avoir là du sable. Là. Ok, donc.
si je la mettais la première, si je la mettais là, en attendant d'avoir de la glowstone. Voilà, et on va récupérer gentiment notre petit mana spreader qu'on va à la limite poser ici. Ok, qu'on va binder au mana pool, à la limite le mana pool. Si on veut le laisser là, on déplacera après. Hop, je suis en bind là ou pas? Pourquoi il me dit un non-statue? C'est peut-être ça qui gêne. Waouh, j'ai des... Je suis en bind, je suis en quoi là? Bind mode, fonction, bind. Shift ligne droit, clic droit. Voilà. Est-ce qu'il prend? Est-ce que celle-là, elle est bindée? Elle n'est pas bindée. Shift ligne droit, shift ligne droit. Voilà. Donc là, normalement, il devrait me générer un petit peu de mana. Ce qui va me permettre de faire d'autres pétales. R, yes. Et à la limite, si je fais ça, si je fais ça, on va tester un truc. Est-ce qu'il a gardé en mémoire ma recette? Est-ce que je peux en faire plusieurs des fleurs comme ça? Bon, à la limite, on va faire un pim. Il m'en faut 3. 3 bleus. Voilà. On va faire un coutois, un coutois, un coutois, un coutois. C'est marrant comme jeu. Un coutois, un coutois. Voilà. Ensuite, j'en ai 3. Donc ça veut dire qu'il me faut 6 cyan. 6 cyan. 3 bleus. 3 roses. Ok. Et des graines. Ok, donc de là, si je lui prends, je lui mets un seau d'eau. Ok, il me faut une main vide. J'ai besoin d'une main vide. Clic droit, shift clic droit, clic droit. Ah, il a oublié, le bougre. Une, deux. Hop, trois, quatre. Cinq. Graines. J'en ai oublié une. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les graines de cyan. Les pétales de cyan, une, deux. Ok, donc là, graines. What? Ah, il y a une pétale bleue en trop. Rose. Bleu, rose, comme je veux d'abord. C'est mon jeu. Une, deux. Ok, pétale. Allez. Donc là, seau d'eau. Et là, petit secret. Il me faut une main vide. Bon, le verre, on va le laisser là. Petit secret. Pim, pim, pim. Si je fais un clic, un shift clic droit. Ou c'est un clic droit? Ah, si, c'est un clic droit. Clic droit sur le truc. Pouing. C'est pas génial, ça. Hop, 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 hop. Clic droit, je jette la pétale. Je sais pas ce que j'ai jeté. J'ai l'impression d'avoir jeté un caillou en même temps. Hop. Ah bah j'ai fait les 3, ok. Donc de là, je vais pouvoir les mettre ici. J'avais de la dirt tout à l'heure, non? Dans mon coffre. Dans mon coffre, j'avais peut-être de la dirt. Yes. 3, tout pile. Tout pile 3. Nickel. Hop. Hop, fleur. Ouch. Qu'est-ce que c'est que ces ralentissements là? Là. Là, 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 là. Pim. Là. J'ai le disque dur qui gratte. J'ai le disque dur qui gratte. Hein? Ouais, bon, on va pas aller loin avec ça. Hein. Bon, ça fait de la mana, mais pour le moment, il va falloir se concentrer sur la production de glowstone, peut-être de fleurs aussi. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai développé les fleurs noir cyan et compagnie, celles qui me manquaient d'ailleurs. Et là, ouais, ça va être un peu short, il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir faire de la... De la... On va peut-être booster ça. Il me faudrait peut-être de l'or. De l'or, il me faudrait de l'or. En même temps, c'est cool, je suis tout seul. Je vais pouvoir aller dormir. Je vais dormir. Moi, ça va être sympa comme entrée avec un mur bleu. Je pense que ça va être sympa pour délimiter la salle Botania. Faire un premier mur, ça peut être sympatoche. Et donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va peut-être pousser ça encore un petit peu. On va s'en faire, on va s'en faire d'autres. 3, hop, hop, hop. Comme ça. Comme ça, ça peut être bien. Et à la limite... ah non, j'allais casser le bloc, mais ça va dépop ma fleur. Ça serait pas drôle. Ok, ça dans le coin, ça dans le coin. Voilà, ça fera deux de plus. Je vais mettre un mana spreader.
Je vais déjà le faire, déjà. Ça peut être bien de faire le mana spreader. Mauve, on a de l'or, on a du bois, j'en ai cultivé un petit peu. Donc de là, hop, un petit mana spreader pour ajouter ça. Ok, une pétale. Hop, 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 hop. Mana spreader ici. On va se faire 2 de plus, 2 cyan, 2 bleu. Ok. 1, 2. La question est, a-t-il retenu la leçon, a-t-il retenu la recette 4 et 2. Ok. Sodo. Bah, il y a déjà Sodo. L'or, on va le laisser là. Voilà. Hop, hop. Est-ce qu'elle se rappelle? Ah non, il l'oublie, ouais. Au bout d'un certain temps, il l'oublie. Je sais pas quel est le comment dire. Au bout d'un certain laps de temps, ou je sais pas, quelle est la condition pour laquelle... combien de temps il garde la recette en mémoire. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique quand on fait de grosses salves de fleurs, là. Ça peut être sympatoche. Il va falloir retravailler, faut retravailler le... Hop. Faut absolument qu'on se fasse le système pour avoir de la glowstone. Ça sera quand même plus sympatoche de pouvoir se faire de la glowstone. J'aime pas mettre du bordel dans mon coffre botania là. STP là, c'est pareil là, qu'est-ce qu'elle fait la STP? Hop, voilà, on a 2 fleurs. Ça fera 6 fleurs en tout. Pour le moment, ça devrait suffire. Voilà, hop, on va laisser tourner ça gentiment. Et je me ferai sans doute hors caméra. Enfin, déjà, ce qu'il faut, c'est absolument qu'on se fasse de la glowstone. Et ouais, on fera ça avec des ellipses, hop, pour se faire ce petit mur végétal, enfin ce petit aquarium avec des poissons bizarres. Voilà, la wand elle est là. Ok. Donc il y a un petit truc que je voudrais essayer, je vais reprendre... Pff, non, Marc, j'ai plus de trucs botania. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la wand ici, on va laisser le bouquin ici, on va reprendre ça, parce que ça n'a rien à faire là. On va reprendre ça, ça, ça. Ok. Je voudrais revenir sur mon système là, parce que j'ai découvert 2-3 petites choses qui pourraient être assez intéressantes pour faire un petit setup sympatoche. Bon, déjà j'avais plus de lave, donc il a tourné une partie de la nuit, mais pas complètement. Donc là il s'est arrêté là, et j'ai rien d'autre. Bon, ça c'est ce que j'ai fait à la mano. Est-ce que j'ai récupéré du diamant? Est-ce que du précieux? Est-ce que j'ai beaucoup du précieux? 21 diamants, 18 émeraudes. On va pas aller loin avec ça. Ok, donc là je dois avoir du coffre vide. Et je voudrais les modifier. Je voudrais les modifier parce que on a un mode qui apparaît dans NEI qui est Refined Relocation, que j'ai jamais utilisé et qui me semble plutôt sympatoche. Voilà. Donc j'aimerais bien tester le truc. Donc pour ça, il faut que je mette à jour mes coffres. Que je leur fasse une petite mise à jour. Et ça m'a l'air vraiment bon, vraiment cool comme truc. D'ailleurs, en termes, je réfléchissais aussi pour faire un truc fun, ça serait... On va voir ça tout à l'heure. Sorting Iron. Alors soit je mets 2 lingots d'or, 2 lingots d'iron. Ok, donc j'ai ping. Et j'ai pas d'or, j'ai laissé mon or là-bas. L'iron G, hop, non, je l'ai pas posé. Ok, j'ai l'iron, ce qu'il va me falloir c'est de l'or. Je dois peut-être en avoir dans mon four, 1, 2, 3, est-ce que j'en ai dans mon four tinker de l'or? Ce serait ballot d'aller devant en rechercher un aluminium brass. Oh, j'ai pas un pet d'or quoi, il n'y en aurait pas là-dedans? 3 poudres, magnifique. Il n'y a pas un bloc d'or? Non? Bon, bah je retourne chercher mes lingots. Voilà, je vais faire fondre un petit peu d'or. J'ai rien qui craint de l'Invar. Iron, non, il n'y a rien qui craint. Ok, je vais faire fondre un petit peu d'or. Pendant ce temps-là, on va se faire au moins 2 chests comme ça. Ok. Hop, hop. 3, 1, 2. Ah, il m'en faudrait plus que ça. Bon, je vais récupérer les autres. Je vais récupérer les autres, ceux que j'ai fait une fois que ça sera trié. On va voir, je vais faire fondre ça, je vais m'en faire déjà 3. Voilà, hop, 8, hop, je vais pas tout sortir, on sortira ça plus tard, hop. Ok, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne ce truc là. Je sais pas trop, j'ai regardé vite fait le wiki.
Là, c'est pas du tuto, hein. Ok, alors de ce que j'ai compris, en fait, ce système-là, ça permet, admettons que je le mette... Ouais, ça va me péter mon réseau. En fait, ça va me permettre de faire un réseau de coffres. Donc si je pète ce tuyau-là, admettons, que je mette un coffre ici, un coffre là, ok. Si je fais un shift-clic droit sur le coffre ici, je vais avoir... Ah, c'est une mise à jour. Alors, setting, filter setting, configure up to 4, filter by... Selecting a tab on the left, donc je clique là-dessus. From specific mode, checking based on the creative tab. Ok, filter on item already in inventory. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Alors attendez, parce que alors si à ce moment-là je prends de l'iron, que je lui dis celui-là, tu mets que du truc d'iron, ok. Que je le config toggle check and beta to check toggle hein? Waitlist. Donc de là ça voudrait dire que si on va voir un peu, si je balance ici du comme ça, ça va partir dans ce coffre là. Ok, c'est bien sans être bien, parce que ça veut dire que dès qu'il y aura plus de broken arrow dès qu'il y aura plus de broken iron là dedans ça marchera pas bien. Du coup, ouais, on va virer le filter. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le ouch? Bon. Filter on item from specific mode. On oublie, ça fait crash mon client. Donc, si à la limite, je fais un customize text. Et que je lui dis, admettons, tout ce qui s'appelle... On va quand même vérifier un truc. Ça, c'est du crushed, ça, c'est du broken. Donc, si à la limite, je fais un filtre ici, où je mets point d'exclamation broken étoile, que je le mets en whitelist, normalement, il devrait me mettre tout ce qui. Tous les items qui contiennent comme description le mot qui commence par broken. On va voir. Ok, ça marche du tonnerre. J'ai mis quoi là? C'est un point... Non, c'est un point virgule que j'ai mis là? Non, c'est un point d'exclamation. Ok. Bon, alors à ce moment-là, s'il veut pas broken, on va lui dire ça. Alors à moins que c'est moi qui écris mal la chose. Broken. C'est bien comme ça que ça se marche. Ça marque. Pourquoi il en veut pas? Custom wildcard caractère. Alors peut-être que ça serait broken comme ça. Je le remets dedans. Yes. Donc la majuscule, il aime pas. Par contre, il vide pas l'inventaire. Ça, c'est ballot, ça. C'est seulement avec les nouveaux items qui arrivent. Ok. Donc là, tout ce qui est broken, ils vont arriver ici. C'est bon. Donc du coup, je vais pouvoir filtrer ici en disant tout ce qui est crushed, à la limite. Je peux le mettre ici. Je mets étoile crushed. Ça devrait pas trop me poser de problème. Donc ici, si je vire le crochet que je le remets, il part et il arrive dans ce chest là. Donc ça, c'est cool, ça c'est bon. Hop, ça veut dire que ça va me faire un système de tri automatique. Alors je pourrais faire des coffres plus grands. Alors j'ai vu qu'il y avait des modules de craft, mais je sais pas encore comment ça fonctionne. Faudra que je regarde. Parce qu'il y a un système de, ouais, un système de craft. Alors on peut utiliser ça avec tous les chests possibles et inimaginables. Donc de là, ça peut être... même les barrels, ça fonctionne avec des barrels aussi, donc ça peut être pas mal. On peut faire ça avec du copper, avec du diamant, avec des... les barrels de Jabba, ça marche aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sauf que il faudrait ensuite que je mette un système pour crafter automatiquement ça. Et à la limite, est-ce que je ferais pas un auto-packager? Plutôt taper paquet. Packager. Ok. Donc à la limite, on va s'en faire deux, voire trois. Vu qu'on va avoir les dust qui vont se pointer après. On va avoir ceux-là. Les pawns de red. Donc à la limite, ouais, on va se crafter un autre. Bon, je vais vider ça, mais... ouais, il m'en faudrait au moins trois pour faire trois packagers. Ouais, il faut que je fasse trois packagers. Voilà, j'ai fait un petit peu le ménage. L'auto-packager, là, c'est pas le bon. Je me suis fait avoir.
Donc, hop, on oublie. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire simple et on va partir sur du Steve Facto. C'est vrai que j'aurais pu faire tout le tri et compagnie avec du Steve Facto, mais j'ai envie de changer un petit peu. Et il y a quelque chose que je voudrais faire aussi, avant de mettre le Steve Facto, ça serait d'utiliser... Alors, c'est l'importeur ou c'est l'interface? Connect no sorting event ou sorting set filter from it. Ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. On va essayer ça. On va essayer ça. On va essayer ce bitonio-là. On va essayer ça de façon à essayer d'automatiser le système de hammer. Vous allez voir. Alors là, j'y vais un petit peu en mode. En mode freestyle, parce que je... Ah, j'ai pas mon stone. Mon barrel de stone, où il est? Mon cache de stone. Est-ce que j'aurai de la stone qui traîne? Ok, j'ai de la stone. Donc de là, il va me falloir un sorting connector pour pouvoir me faire un sorting interface. Ok, le sorting connector. C'est des nuggets d'or. Ok, on a... Ok, donc ça, nuggets d'or. Et ici, un lingot d'iron. Mais qu'est-ce que je... Mais dis donc. Ok. Et la stone que je suis allé chercher. Ok, donc là, on a un connecteur. On va essayer de faire une interface, parce que je voudrais voir un petit peu comment ça fonctionne avec 4 gold. Jusque-là, ça va. Ok. Donc, on a notre interface. L'interface, j'aimerais... J'aimerais. On va récupérer ça. On va ranger ça. Voilà, ça c'est vidé. Un petit coup de wrench ici. Un petit coup de wrench là. Le truc marrant, hein, ça serait d'avoir des panneaux solaires sur chaque machine. Alors si je mets mon hammer ici, que je fais un clic droit, un shift clic droit là-dessus, l'interface est bien collée sur la machine. Donc jusque-là, ça va. Maintenant, si je mets mon panneau solaire, histoire d'alimenter mon hammer. Je fasse un shift clic droit là-dessus, je vais avoir également la même chose, sauf que là, à la limite, il faudrait que je lui dise, par exemple, que c'est... Est-ce que j'en ai là? Ça, c'est du sand. Donc, ça serait gravel. Tout ce qui s'appelle gravel, c'est ça, on va tester. 3, 4, hop. Donc, on va lui dire tout ce qui s'appelle gravel, tout ce qui s'appelle or gravel. Ce sera plus simple. Tu vas les balancer là-dedans, on va voir un peu. Donc si je lui dis étoile or gravel, étoile, ok, donc ça c'est les priorités, on s'en moque, plus, ah je peux mettre plus encore, plus de filtres, ah ouais, ça veut dire qu'ici j'ai vu que j'avais un bug, j'ai du crushed iron ore qui se pointe là, donc à la limite si je fais un shift clic droit, que je rajoute ici, un truc comme ça, que je lui dis oh, étoile à la limite uranium, donc ici si je lui dis étoile uranium étoile et que je le mets en blacklist, ok, si je vire ça et que je le mets là, il part pas. excellent. Donc là on a dit qu'on a l'or gravel qui devrait arriver, ici. Donc si, dans peu importe le chest, je balance ça, ça part et ça arrive dans le hammer. Donc ça, pour automatiser, c'est tip top. Parce qu'en plus de ça, ce système-là, ce qui est bien dans ce système-là, c'est qu'on peut mettre les items peu importe l'endroit. Ce qui veut dire que, admettons, je prends du gravel, si je le mets dans ce chest-là, ça va partir. Mais si je l'envoie dans ce chest là, ça part aussi quoi. À partir du moment où il y a une rentrée dans le network, ça rentre. Ça vient se ranger dans le chest attitré ou dans l'interface. Et ça c'est super cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est qu'on ne peut pas extraire relocator item transportation combine with module. Waouh, 2 secondes là. With module. Ah ah! Ouh, on va regarder ça. je suis un peu en mode. Sentez que je suis un peu en stress là, que je découvre le mode, que je ne l'ai pas préparé, que je ne sais pas comment ça marche.
crois que des glaces plain j'en ai là. Ah, c'est dur. C'est immonde. Moi qui ai l'habitude de préparer mes trucs, faire mes tutos, machin, avoir checké mes trucs avant, et là, brrr, découverte. Ok, relocator, ça fait 4 iron. Donc on met 4 iron ici. Ok. Donc ça voudrait dire que ça serait ces modules-là en fait. On va tester le module crafting. Il faudrait 2 table module base. Ok. Donc ça, à la limite, on ferait un grillage comme ça. Parce que ça veut dire que si ça me fait les cravelles en même temps, c'est tip-top. C'est vraiment tip-top. Où est mon module crafting là? Module extraction. Wow, ça bon. Ça voudrait dire que... Ok. Donc on va se faire des modules comme ça. C'est ça qu'il veut, hein, le monsieur. Ok, donc là, ça en fait 4. Bien. Crafting module. Je suis curieux de savoir comment ça marche ça. Alors, du bois. J'ai pas de bois. Et ma ferme est à l'arrêt. Ok, on va s'en prendre 16. Ça fera un stack de planches. Ça fait 17. 18, 16. Non, c'est 4 planches, ça fait 2 stacks. Non, ça fait un stack. Ok. Donc si je mets deux tables de craft ici. Donc, 1, 2, ok, 1, 2, j'aime bien déborder, hop, que je mette un module ici, ok, que je mette, ah, ça veut dire que d'un coup l'interface j'en aurais plus besoin, on va voir, du coup, mais ouais, le coup de l'interface ça peut être pratique quand même, dans tous les cas ça peut être pratique, ça sera pas crafté pour rien, donc je mets ça, ok, donc là j'ai le module de crafting. À ce moment-là, il faudrait peut-être que je fasse un module d'extraction aussi. Bloquet d'extraction. Extract item for the connected. Ok. Et extract item for the connected inventory. Ouais, ça, je pense que... Ouais, mais il va falloir dans tous les cas un extraction, quoi. Pour qu'il puisse crafter. On va déjà se faire un extraction. Oula, 4 blocs de redstone. Il va falloir que je fasse de la dust là. Ça va devenir. Ah mais ça veut dire qu'en plus on peut sûrement automatiser le système. Bon ça l'auto-packager. Fail. L'auto-packager, de toute façon ça me servira à rien. Donc ce qu'on va faire c'est. Adieu. Voilà. Oui j'ai dit que je faisais de l'extraction. Je l'ai fait l'extracteur. Non, je l'ai pas fait l'extracteur. Pourquoi? Ah mais j'ai plus que ça comme redstone. Non, j'ai pas plus que ça. Me dites pas que j'ai plus que ça. Oh, faut que je fasse de la dust et que j'espère avoir de la redstone. Ah c'est moche, c'est moche. Bon déjà on va voir leur location et on va balancer du sable dans le hammer histoire de faire de la dust. Déjà on va le poser. Si déjà je le pose là-dessus, ok. Je suppose que la technique c'est un shift clic droit, non, clic droit non plus. Ok, si je fais un mode. Ok, il n'y a pas d'outil. C'est quoi ça? Refined handle. Ouais, mais ça c'est du shift cart. Pourquoi? Comment ça marche? Pourquoi? Pourquoi? Comment shift clic droit? Je clique là-dessus, rien ne se passe. Ah! Ça a cliqué là, shift clic droit. Je l'ai enlevé. Ok, clic droit sur l'inventaire, reclic droit. Ah ouais. Ok, donc testons. Si je mets une recette ici, je refais un clic droit, je rebalance ici. What? Pourquoi il n'en veut pas? Si là il craft. 64, max storage stack size par slot. On s'en moque. Ok. À mon avis, ce qui se passe, c'est que. Donc, shift clic droit, on récupère ça. Ce qui va se passer. Je peux enlever avec la wrench? Non. Ce qui va se passer, c'est que. Ça serait judicieux, peut-être. De prendre, par exemple, un chest du sorting. Ouais, et de le mettre, peut-être en face.
le mettre peut-être en face ici, ok, de mettre le câble relocation ici, et il va falloir dans tous les cas que je me fasse un extracteur, donc ça veut dire que là je... Mon avis c'est quand ça traverse le tuyau. Donc si je mets ça, que je mets ma recette ici, voilà, c'est avec un clic gauche, d'accord, et il faudrait que je mette un extracteur, à moins que... Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un extracteur comme ça? Est-ce que, au lieu de faire ça, si je mets, admettons, on va virer l'interface là, d'accord, on va remettre un relocation. Là, il y a quoi là-dedans? Ok, hop. Ça, on va dire que ça va là-dedans. Ok. Je suis en train de me demander à quel point ça passe pas par le réseau, en fait. C'est-à-dire, est-ce que si je mets, par exemple, un relocation, on récupère une module avant qu'il dépop. Si je remets un relocation ici, on est d'accord? Est-ce qu'il se connecte? Est-ce que pour lui, il est connecté au réseau? Donc là, on va voir. Hop, hop. Est-ce que pour lui, il est assimilé comme connecté au réseau? Ça voudrait dire que si, par exemple, je mets un chest ici en sorting. Donc là, il a l'air bien. Si je mets ici... Ah, j'ai perdu mes trucs. Si je mets ici mes gravels, admettons, mes broken arrow, machin, là. Broken arrow. Broken arrow. Il m'en fallait qu'un. Ok. Et si, admettons, je fais un shift clic droit ici, que je mette ici étoile broken, iron or. Ok. Et que je détermine une priorité en plus. D'accord? Si je prends du broken or, que je le mets ici, ça part. Bon, c'est pas grave, pendant ce temps-là, on va peut-être récupérer les autres gravels. Il me troll. Le truc me troll. Je l'ai... Hein? Ok, bah si tu veux pas du, de l'iron, on va te donner du... Du broken arrow. Du broken arrow. Tu veux du broken arrow? Ouais, le broken arrow, il est parti. Il est parti où? Il est là? Non? C'est trop long. Parce que là, il est bien parti là, mais j'ai l'impression que... Voilà, là, il est là, mais il n'arrive pas à repartir. Comment se fait-ce si je fais comme ça? Donc là, ça part bien. J'ai l'impression que ça fait un cul-de-sac, en fait. Alors, à moins qu'il y ait trop de tuyaux ici, il faudrait que je fasse juste une petite boucle. Non, il n'a pas l'air de vouloir retrouver le chemin. Parce qu'en fait, je pourrais boucler comme ça sans mettre dans ce coffre-là, en fait. Hein. C'est assez bizarre comme truc, parce que là, je peux... Oh, j'ai testé, ça marchait nickel, et là, il n'en veut plus. C'est moche, c'est moche, c'est moche. On va remettre la connexion ici, on va casser ici. C'est moche. Bon, bah c'est, je vais faire d'autres tests, mais c'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Moi, je pensais que j'allais mettre un tuyau et puis bombarder plein de recettes. Et apparemment, apparemment, il veut pas. Ça veut dire que si je vire le... Celui-là, c'est quoi? C'est le iron. Si je vire le gold... Ah, c'est le gold qui empêche de passer. Oui, donc si je mets ici un gold, que je refais ma recette du gold, 1, 2, 3, 4, ok, et que je rebalance ici mon truc, il va être happé, il fait le tour, mais il est bloqué par le crafting. Il est bloqué par celui-là, ce qui veut dire que si je l'enlève, il passe. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, s'il me fait ce coup-là, est-ce que je peux pas faire plutôt... Non, de toute façon, ouais, c'est à sens unique. C'est-à-dire que si je fais un truc comme ça, et que je mets par exemple un autocraft, admettons ici, que je mette... C'est bizarre, comme ça veut dire qu'on peut faire qu'un craft à la fois. C'est assez c'est surprenant, ça. Donc si je le mets ici, que je fais ma recette, ok. Là, il va le sortir. Il est crafté, mais il peut pas sortir. Donc là, si à la limite je rajoute un tuyau, ça passe.
Wouah! Donc ça veut dire que s'il faut que je fasse un système comme ça, s'il faut qu'à chaque fois je mette deux trucs comme ça pour que ça fonctionne, qu'il ait à chaque fois un passage pour sortir, on va peut-être pas s'en sortir finalement. Au départ je pensais que c'était une bonne idée, hein. Je pensais, au départ. Je pensais que ça partait d'une bonne idée. Mais ça n'a pas l'air d'être... Ouais, alors ça c'est pas une bonne idée non plus, merci. Donc Marsat est faite. Donc là ça part et il part direct. En plus il y a une histoire de longueur. Donc si on fait ça et que je le remets, est-ce qu'il part et qu'il revient? Ouh, il fait des zigzags et il revient dans le chest. Ok, donc après si c'est connecté au... Oh la vache, c'est qu'il faut qu'il ait un itinéraire à chaque fois pour pouvoir sortir et revenir. C'est moche. Et ça va me faire un système de tuyaux, un truc de fou, vu le nombre de crafts qu'il me faut. Je pensais que ça passerait à travers, moi. Je suis assez surpris quand même, on va retenter, je vais retenter l'expérience. Bon, je teste dans tous les cas, et puis on va voir. Mais ça me semblait une bonne idée, parce que sinon, bon, il y a Steve Factory Manager. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas tous forcément fan. Mais lâche-moi, le zombie, là! Voilà, du coup, j'ai pas vu si mon truc était parti. Il est parti, mais il est pas revenu, quoi. Il est bloqué, là. Il peut pas sortir. Et si je le récupère, est-ce que je perds le... Ouais, je perds le... Ouais, d'accord, je perds le gravel, quoi. Super. Je l'ai pas récupéré, là. Non, qu'est-ce que je vois, là? Un truc de craft. Ouais. Bon... Ça veut dire que ça va me faire faire un truc assez conséquent en termes de hauteur. Parce que si à chaque fois il faut qu'il ait une issue de sortie, une sortie pour pouvoir passer. Finalement, si je mets un coffre ici... Ah, moins que... Si je fais quelque chose comme ça... Dans tous les cas, il peut sortir, là. Donc, est-ce que ça serait pas plus judicieux de faire un système... beaucoup plus simple de faire un système avec appli aide énergétique, j'ai envie de dire. Le mec aime bien se faire du mal. Mais c'est dommage parce que ça a l'air sympatoche. Surtout que ça veut dire qu'en plus de ça, on pourrait... On me demande s'il n'y a pas moyen de faire des crafts en cascade. Donc là, c'est bon. Là. Pim. Il sort, il craft, il revient et il faut qu'il ait une issue de secours. Ok, donc ça, à chaque fois, c'est un péage, en fait. Chaque fois, c'est un barrage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut... Ouais, d'accord, c'est un système d'autocraft. Donc de là, il faut que je fasse un système comme ça. Où il faut que je mette à chaque fois une recette ici. Voilà. Et que je mette le système iron aluminium, par exemple. Si je mets l'aluminium ici. Par contre, effectivement, petit défaut de la chose, c'est que même avec Vaila... On voit qu'on a un module de crafting, mais on voit pas ce qu'on a crafté, en fait. Et ça, ça le fait moyen bof. Donc là, ça part, ça sort, et ça revient. Et ça, je peux le faire ça à plusieurs étages. Je pourrais faire ça avec deux étages comme ça, voire trois. Et il y aurait tout un système d'autocraft. De là, je mets un... Ah, je pourrais mettre un tuyau ici. Si je mets un tuyau ici, il faut que je me refasse du tuyau. Mais admettons que je mette un tuyau ici pour sortir de l'autocive. Ici, avec un module d'extracteur, ça va me sortir mes items, ça va partir par le système de craft, à mon avis. Et ça reviendra dans mon chest. Chest dans lequel... Ouais, non, normalement la boucle, il faudrait que je la fasse... Ouais, je vais voir pour faire ça. Je reviens. Voilà. Donc je me suis fait... En fait, un anneau complet, d'accord. Encore que celui-là a l'air inutile, mais bon. Avec à chaque fois un passage entre les deux. Sur 1, 2, 3, d'accord. Ensuite, je laisse le passage vide, je me rajoute un tuyau, ça fait le craft, et là. Et là, du coup, c'est bon, parce que ça veut dire que... Donc, j'ai fait première ligne ici en bas, j'ai mis du broken tin, d'accord. Enfin, tout ce qui était broken, en fait, en bas, pour avoir une ordre d'idée. Et puis ensuite, je dois faire l'iron encore.
De là, ça va me permettre de savoir où j'en suis au niveau des trucs. Donc là, par exemple, là, c'est le tin. Là, c'est le fer. Donc ici, il faut que je fasse la recette du fer. Comme ça, j'aurai tous les fers sur la même verticale. Ok, et si je mets mes 4 fers ici, hop, ça part, ça revient ici, pim. Ah, c'est marrant, parce qu'alors il revient ici, il repart, il revient dans le coffre ici, et puis il repart là-bas. Bon, dans tous les cas, ça ressort, c'est ça qui est pas mal. Je pourrais peut-être mettre un... Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais ni plus ni moins... Tiens, il y a un truc que je vais pas essayer, qu'il faut que j'essaye quand même. Admettons que je prenne du yellowrite. Voilà, que je prenne du yellowrite. Qu'est-ce qui se passe quand je lui donne du yellowrite? Il extrait et il squeeze l'autocrafting et il part. Donc de là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre ici toutes mes sieves. Vu que j'ai un peu de place là. Je vais mettre tout mon système de sieves ici, en entrée. Donc tout ce qui va être sieve va arriver, va passer par le système d'autocrafting, va ressortir dans mon réseau de chest. Et de là, tout sera crafté et ça repartira dans le hammer. Et les hammers, il faut que ça reparte dans ce système de craft là, remarque. Il va falloir que je réinjecte ça. Quoique les hammers, il faudrait peut-être plutôt que je les mette sur le réseau, mais plutôt au milieu là. De façon à pouvoir réinjecter le résultat des hammers ici ou dans le réseau ici. Je vais voir ça, attendez 2 secondes. Ça peut être marrant ça. Du coup, j'ai mis mes sieves ici. Je mets, hop, panneau solaire. Vu que de toute façon, lui, il produit 2 RF. Et que lui, avec l'économie, pour le moment, il consomme 2 RF. Donc pour le démarrage, c'est très bien. Puis en plus, vu qu'ils sont connectés, ça marche nickel. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que je me fasse des panneaux un peu plus gros pour cela. Que j'alimente mes sieves avec autre chose. Et de là, ça resterait complètement autonome. Ouais, ça pourrait être pas mal. Il faut que je me refasse 2 crushers avec la même chose. Et à la limite, on pourrait même repasser par du Reinfine pour envoyer de la stone, pour envoyer de la cobblestone sur ces crushers là avec du Reinfine. Si on va faire des. Faire par exemple récupérer des interfaces ici comme ça. Faire un petit. Ça marche toujours pas avec la wrench. À la limite, c'est reprendre ici l'interface, coller une interface ici. Watch. Voilà. Donc je colle une interface ici, je colle une interface là. De toute façon, il n'y a qu'un seul côté, donc je ne peux pas passer autrement. Il va me falloir des trucs, des pipe sorting connector là. Cela pour pouvoir relier cette interface ici. Et mon producteur de cobblestone, je l'envoie, je mets un. Je mets un chest à la limite. Ouais, je fais ça. Petite chose que je ne vous ai pas montré là, mon four il marche sans carburant. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rajouté ici en fait un panneau solaire 2. Parce que le 1, le premier là, 2 RF, c'était pas terrible. Et sur lequel j'ai rajouté un upgrade, un furnace upgrade. Et donc de là, il chauffe mon four et mon four est autonome. C'était un peu. c'est comme si j'avais un four électrique, mais qui marchait au solaire. Enfin, un four normal qui marche au solaire, quoi. C'est marrant. Enfin bon, voilà, quoi. Ah, mais on va faire mieux encore. Si je récupère le barrel qui est là. D'accord. Ici, je mets mon pipe pour que ça connecte le réseau. Là, je vais avoir mes 2 crocheurs. 1, 2. Je vais avoir une interface. Ah, oh, bah l'interface, je pourrais la coller ici derrière. Donc, du coup, elle sera quand même connectée. De là, si je mets ici mon barrel sur le pipe ce connector. Ok, qu'ici je lui dis. Tiens, d'ailleurs, créative par ça. Watch! Bon, ben, faut oublier aussi le checklist basé on Creative Lab Tab, ça fait crash mon client aussi. Ok, si je fais. Oh, quoique, si je tape directement cobblestone. Ok, comme ça. Non, ben, de toute façon, mon barrel, c'est pas top comme solution, vu que ça ne marche que quand il y a quelque chose qui rentre. C'est-à-dire que si je fais ça et que je fais ça. Ok, là ça part, là c'est bien, il me l'a bien rempli. Donc ça veut dire que si je fais pareil ici au niveau du filtre. Hop, que je tape cobblestone. Voilà. Le truc c'est qu'à chaque. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois il faut. Non. Et là il a dû remplir ici, les 32 ont dû partir là. On va vérifier ça, on va lui remettre un stack, on va voir s'il est full. Il est full, donc ça fonctionne, ça dispatche la cobblestone. Le problème,
C'est que quand le... Ouais, c'est pas cool ça, parce que quand le chest sera plein, lui sera incapable de prendre des items là-dedans. C'est ça qui est pas top. À moins que j'ai un petit truc comme ça qui s'appelle importer, sorting importer. Et qui pourrait peut-être me le prendre. Je vais crafter ça, on va voir. Ok, j'ai crafté l'importeur. On va tester ça. Donc si je casse... Pourquoi j'ai cassé le bloc de sable, moi ? Admettons que c'est interface importeur. Donc si je fais un shift ligne droit comme ça... Je suis pas certain qu'il importe les trucs. Il en est où mon crusher là ? 29. Non, il importe que dalle. Hein. Il importe rien. Il importe rien. C'est nul. Ah, c'est peut-être un... Bah non, c'est normalement l'interface qui fait ça. Je sais pas, il va falloir que je me rencarde. Bref, de toute façon, je vais faire deux crochets en plus pour commencer à produire. Rapatrier mes humeurs, faire des interfaces. Voilà, là, je pense qu'on va être short time au niveau compteur. Donc écoutez, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit j'aime, c'est le cas, sera super gentil. Puis moi, je vous dis à tout bientôt pour la suite. On va sûrement peut-être attaquer à Pliède pour la prochaine. Allez, à plus tard.